Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle série de conseils. Donc aujourd'hui au programme renforcement musculaire. Pour ce, j'ai fait appel à Jérôme qui est préparateur physique et qui va nous aider à réaliser cette séance. Sur un ultra, votre tonicité musculaire ainsi que votre ceinture abdominale vont être des éléments primordiaux. Votre ceinture abdominale va vous permettre de vous protéger au niveau du dos, au niveau des articulations. Et pour ce, donc on retrouve Jérôme avec qui on va faire une séance. Bonjour Jérôme. Bonjour Sébastien. Donc là, on attaque par quoi ? Petit échauffement. Déjà, on va échanger. Je te laisse passer devant. Allez. On attaque la séance. C'est parti. Donc pour l'échauffement, je vous conseille de faire 15 à 20 minutes de footing. Et ensuite, vous pouvez démarrer votre séance. On va attaquer par une séance par les abdos. Donc je te laisse t'installer. Donc on va commencer au sol, les mains croisées sur les épaules. Et là, avec une expiration, tu vas remonter les épaules. Sur une deuxième expiration, on lève les jambes. Jambe droite, jambe tendue. Jambe gauche, angle 90. On tire sur les pointes. Chaque fois, on change la jambe, on expire. On va faire 10 répétitions. Et le rythme ? Très lentement, comme ça on reste en gainage. 8, garde bien l'angle à 90. 9. Et 10, on maintient un petit peu et on relâche. Donc là, on va faire 5 séries de 10, d'accord, avec 15 secondes de récupération entre chaque. Ok. Ok. Allez, on va enchaîner sur un deuxième exercice. Alors, deuxième exercice. Donc, toujours les mains croisées. Je monte, expiration. Voilà, je gagne à ce niveau-là. Deuxième expiration, je monte les jambes. Voilà, je tire sur les pointes. Par contre, tu as vu que j'ai avancé mes genoux. Sauf que maintenant, on va baisser et remonter les pieds, tout doucement. L'avantage, on a le dos bien plat. 9 et 10, on maintient et on relâche. Et on va enchaîner 5 séries de 10, toujours avec 15 secondes de récupération à peu près. Ok. D'accord ? Allez, pour la deuxième, c'est parti. Ok, donc un nouvel exercice. On va travailler les obliques maintenant. Jusqu'à présent, on a travaillé le transverse, maintenant oblique. Donc, main gauche cervicale, main droite tendue, jambe gauche fléchie, et on va monter jusqu'au coude tout en expirant. Allez, 1, 2. Je vous conseille sur ce genre d'exercice de faire 5 séries côté droit, côté gauche en alternance avec 10 répétitions, sachant garder quand même 10 à 15 secondes de récupération entre chaque série. 9 et 10. On relâche. 15 secondes et pense à boire entre chaque série. Ok, maintenant on a fini les abdominaux, on va passer à la série protection du dos et des lombaires. D'accord ? On va rester vraiment sur la ceinture. D'accord ? Donc on va se mettre à plat ventre dans un premier temps. Les bras repliés, menton sur les mains. Donc le but du jeu, donc monter les jambes et le haut du corps pour faire travailler toute la partie lombaire. Sur une expiration, tu montes et tu maintiens 15 secondes, c'est déjà pas mal. Et puis après, au fur et à mesure que tu vas progresser, bah on montera au niveau des os. Tu sens que ça travaille là. Ouais. Et tu relâches. Donc pareil, on va partir sur 5 séries de 15 secondes. Et on récupère 10 secondes entre chaque. D'accord. D'accord ? Et tu penses à t'hydrater au passage. Et relâche. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est revenir s'asseoir sur les talons en arrondissant le dos, en étirant. Ça fera toujours du bien. Donc maintenant, on va voir une variante par rapport à l'exercice qu'on a fait au sol. Avec petit matériel, donc je te présente le ballon. Ballon gonflable. Donc on va s'allonger dessus. On part comme si on faisait des pompes, sauf qu'on va poser l'abdomen dessus. On cale bien les pieds derrière, un petit peu écartés. D'accord ? On va partir arrondi. Et sur une expiration, on va monter bras et le haut du corps. 15 secondes. Vous trouverez ce type de ballon dans les grandes enseignes sportives sur une fourchette de 10 à 30 euros maximum. On relâche, on englobe le ballon, on relâche même la tête.
L'avantage d'être en instabilité, c'est qu'on va travailler un petit peu plus en profondeur. Donc, je vous conseille pour ce genre d'exercice, pour la petite variante avec ballon, de faire 5 séries de 10 secondes, vous maintenez en gainage, vous remontez le plus haut possible, vous calez les jambes et vous relâchez entre chaque série 10 secondes. On a vu la partie lombaire avec le ballon. Ouais. Donc maintenant, on va passer plus sur un exercice fessier où on va aller chercher encore un petit peu plus le lombaire. D'accord. Donc on va passer au sol sur le dos. Dans un premier temps, on va croiser les mains comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure pour les abdominaux. D'accord. Sauf que là, on va faire élévation du bassin. Donc les pieds restent bien au sol, bien parallèles, un petit peu écartés. Et là, on va monter le bassin pour être en appui uniquement sur les épaules et les pieds. D'accord. On va rester 20 secondes. Là, on peut se permettre de rester 20 secondes sur cet exercice-là. Et on fera toujours 5 séries. Toujours 10 secondes de récupération entre chaque série. D'accord. Voilà. Et on respire normalement. Là, tu sens l'ischio qui travaille. Ouais. Fessier qui travaille vraiment en action. Et le lombaire dans le prolongement. D'accord ? Ouais. Et on relâche sur une expiration. On sent bien que ça travaille. Hein. Voilà. On peut se redresser tranquillement. Tu peux prendre une jambe et venir tirer. Cette fois-ci, je vais te montrer une autre variante, mais à nouveau avec le ballon. Tu peux récupérer le ballon. Donc, toujours au sol. Poser les talons. Tu poses les talons, les pieds, les mains sur les épaules et élévation du bassin. Voilà. Et tu verras que là, les ischios, on va vraiment travailler. Pourquoi ? Parce qu'on a une instabilité permanente. D'accord. D'accord ? Donc, ischio, fessier, lombaire. D'accord. Et on repose que sur les épaules. D'accord. Et tu relâches. Donc, dans un premier temps, tu peux travailler sur 10 secondes. Et au fur et à mesure, tu augmentes. Plus c'est facile, tu augmentes jusqu'à 20 secondes. D'accord ? Donc, Jérôme, comment tu me conseilles d'intégrer ce type de séance au niveau de ma préparation par rapport à l'UTMB, par rapport à la course ? Là, on est à 9 semaines de la course. Moi, je te propose d'inclure dans ta programmation 2 à 3 séances par semaine. Tu D'accord. as vu qu'au niveau abdominaux, c'est très important pour le trail, ouais. Les fessiers aussi, ainsi que les lombaires, parce que les ondes de choc sont assez fréquentes. Des séances de 30 à 40 minutes à chaque fois, ça reste correct, même si tu n'as pas encore mis des séances de musculation, 9 semaines, on est prêt. D'accord. Tu verras qu'à force de répéter les exercices, on va être facile. D'accord. Donc au niveau de la prévention blessure, tu seras bien. D'accord. Aucun souci. D'accord, ok. Bon, merci Jérôme. Et puis, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau conseil.